À objectif élevé, préparation enlevée. 15 jours que les handballeurs dunkerquois ont repris le chemin de l'entraînement. Entre grosse suée et bonne humeur, c'est aussi pour certains joueurs la découverte d'un nouvel environnement, à l'instar du jeune pivot Diego Pinero qui arrive de la Ligue espagnole. Les jeunes peuvent progresser dans des clubs comme Dunkerque. C'est pour moi l'opportunité de venir jouer dans le championnat français. Je vais essayer de m'améliorer et d'aider l'équipe. Logique économique et projet sportif ont poussé l'USDK à continuer le rajeunissement de son effectif. Des champions de France de 2014, il ne reste que 4 joueurs. Un pari de la jeunesse assumé par Patrick Casal. J'ai quand même gardé l'ossature de ceux qui nous ont permis de quand même de faire une saison dernière qui était très intéressante. Et donc forcément, aujourd'hui, notre chantier, c'est d'intégrer le plus rapidement possible ces nouveaux joueurs. Vite, car le championnat français est toujours plus relevé, avec 3 clubs qui l'an passé ont trusté le podium de la Ligue des Champions. Des joies européennes que Baptiste Buteau rêve de retrouver. Ça fait 2 ans qu'on rate une qualification européenne d'un point, donc c'est des choses qui sont frustrantes et qui font un peu mal à la tête en fin de saison. Maintenant, on a comme ambition pareil de faire toujours mieux que la saison qui s'est écoulée. Objectif top 5 pour Dunkerque, premier match contre Istres le 5 septembre.